Je m'appelle Koffi Yao Arsène. Je suis né le 25 décembre 1990 à Sakassou. Sakassou, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. J'ai fait mon enfance à Oumé. Ma vie que je mène aujourd'hui est meilleure que celle d'avant. Je me bats pour avoir une vie meilleure parce qu'aujourd'hui, je veux aller de l'avant et non pas reculer. Je suis le secrétaire général de l'UV de Yopougon, unité de valorisation des déchets plastiques. In 2011, Côte d'Ivoire went through a devastating armed conflict that had an impact on millions of Ivorians. With $46 million in funding from the African Development Bank, the Social Inclusion and Cohesion Enhancement Support Program, otherwise known as PARICS, was set up to provide support to many who had participated in or been impacted by the conflict. This included the reintegration of ex-combatants. Also, support was provided to the most vulnerable, women and children. Je me nomme Coulibaly Madjara. Je réside à Zagiega. Je suis fiancée, j'ai un enfant et je vis en famille. Mon papa est décédé, mais je suis avec la maman et puis mes frères et sœurs. Chacun fait de son mieux, hein. On s'occupe de chacun. Quand il y a un manque de peu, si tu as un peu, tu donnes à l'autre. Par le biais du PARICS, on a pu obtenir cette formation et ils nous ont donné des fonds pour pouvoir nous mettre en activité. Bon, lors de la formation, j'ai appris l'aviculture. Ma vie actuelle est meilleure par rapport à celle d'avant. J'ai une activité qui m'apporte. Ça a été un programme qui a vraiment aidé le DDR à renforcer son volet de l'inclusion, l'inclusion de toutes les populations. Et au fait, toutes ces composantes réunies ensemble poursuivaient un même objectif. C'était l'objectif de développement, de cohésion sociale, et aussi de la paix, renforcer la paix. Dans le cadre du relèvement communautaire, la femme occupe une place importante dans la cohésion sociale. Reconciliation and rehabilitation had to be linked to a productive alternative to conflict. Beneficiaries received professional support and training that allowed them to reintegrate quickly as productive members of society. Je pense que la Banque africaine de développement, en initiant ce programme, a permis de faire en sorte que nous puissions revenir très rapidement au niveau auquel nous sommes aujourd'hui, au niveau de la paix et de la cohésion sociale. Dans le cadre du programme, il y a un accent très fort par la formation, parce qu'on se dit que la formation des bénéficiaires, c'est ce qui reste. D'abord, même dans la formation, on a privilégié la cohésion sociale. Notre mission, c'était donc de former les ex-combattants au métier de l'agro-pastoral. Donc, par cette formation qu'ils ont eue dans le cadre du DDR et du PARICS, désormais, ces acteurs-là deviennent des vrais acteurs de paix. Ces programmes ont été bien menés. Nous avons été félicités à d'autres occasions. Mais j'avoue que les rapports ont été assez sérieux et les apprenants ont beaucoup appris pour leur insertion. Ils savent désormais que leur réinsertion réussie dépend de la formation qu'ils vont recevoir. The training provided by PARICS has revitalized three key sectors that hold the future for a prosperous Côte d'Ivoire: agriculture, transport, and a green economy. Numerous beneficiaries have acquired useful and marketable skills that now enable them to provide for their families and contribute their own quota to the development of their communities. PARICS est venu pour aider la population, la jeunesse ivoirienne. Puisque si PARICS ne mettait pas cette idée en place, aujourd'hui on ne saurait pas où aller. Oui, il faut dire que je suis prise au sérieux et puis ma décision et ma voix aussi compte au sein de la famille. Mes enfants, je leur souhaite une cadre de vie meilleure, qu'ils aient tout à leur disposition. Les moyens de l'argent, toutes les commodités à leur disposition. Le PARICS a été d'une grande importance. C'est grâce à ça que j'ai pu avoir une activité que j'ai, je m'occupe de moi, de mon enfant et de la famille. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Ça m'a permis de me prendre en charge et prendre en charge aussi la famille, puisque j'arrive à subvenir aux besoins de la famille aussi. C'est l'harmonie. Ça me donne une certaine fierté qui m'encourage encore plus. Aujourd'hui, je peux dire que je suis fière et ça m'a donné une place à la société.